Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je me présente, je suis Damien Godefroy de la Chambre d'agriculture des Vosges. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette deuxième visioconférence de l'espace conseil du Salon de l'Herbe, qui devait au départ se tenir à Mirecourt cette année, et qui, du fait du Covid et du contexte global, n'a pas pu se tenir normalement. Donc aujourd'hui, on accueille Patrice Pierre de l'Institut de l'élevage. Qui va nous parler de l'implantation des prairies temporaires, qui est une étape vraiment cruciale pour cette culture-là. Et juste avant de laisser la parole à Patrice et donc au contenu technique, je vais vous donner deux, trois instructions de technique. Alors, est-ce que tu peux passer, Patrice? Merci. Donc voilà, alors pour ceux qui n'entendent pas, vérifiez bien en bas à droite de l'écran que le petit pictogramme du son est bien activé et pas en muet. Si votre connexion est un peu faible, fermez toutes les autres applications qui utilisent Internet pour que vous puissiez assister à cette conférence dans de bonnes conditions. Voilà. Et enfin, le dernier point que je voulais vous avertir avant de commencer, vous verrez que sur cet outil, nous n'avons pas de chat. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, envoyez-les-moi par mail. Donc à cette adresse, damien.godefroy@vosges.chambagri.fr. Et je synthétiserai toutes les questions et je les retransmettrai à Patrice Pierre. Voilà, donc je laisse la parole à Patrice pour son intervention technique que vous attendez tous. Bonjour à tous, donc Patrice Pierre, donc je suis responsable de projet au service fourrage et pastoralisme de l'Institut de l'élevage. Je suis basé à Angers et donc sur cette séquence-là, je vous propose qu'on aborde la question de l'implantation de la prairie au travers de deux points. Il y a d'une part en lien avec les exigences qu'ont nos fourragères en matière d'implantation. Donc on abordera notamment les questions de perte à la levée, de densité de semis, de mode de répartition des espèces à l'installation, pour aller ensuite sur des voies d'adaptation, le changement climatique étant là, on va être de plus en plus confronté dans nos périodes d'implantation des prairies à des aléas qui vont venir perturber la qualité de ces installations. Donc, je vous proposerai une petite séquence sur des travaux que nous avons menés en Pays de Loire sur la question de l'implantation des prairies sous couvert. Toute la première partie, en fait, elle est le résultat d'un travail que j'ai mené sur cette question-là dans le cadre d'un projet France Agrimaire. Un plan tech que nous avons conduit avec nos partenaires, les fermes expérimentales de Torigné d'Anjou et la ferme de Mauron, sur cette question de l'implantation. Je passe. Donc là, cette première diapo là pour situer un petit peu finalement tous les facteurs qui peuvent impacter la qualité de l'implantation d'une prairie. Il y a en gros cinq compartiments sur lesquels le résultat peut être impacté. Ce qui nous fait dire, et reprenant les propos d'éleveurs, hein, que finalement l'implantation de la prairie, c'est finalement quand même un peu l'aventure au regard de tout ce qui peut finalement jouer. Premier compartiment, c'est l'effet du précédent cultural, distinguant en fait la situation de la prairie sur prairie versus la situation d'une prairie qui vient dans une rotation derrière une céréale, par exemple. Derrière ce précédent cultural, et notamment dans la configuration de la prairie sur prairie, eh bien, il y a tous les effets qu'on va amener derrière le retournement de cette vieille prairie qui peuvent amener à une forte libération d'azote et qui, de ce fait-là, pourront être problématiques à l'installation d'un certain nombre d'espèces prairiales. Je pense notamment aux légumineuses qui peuvent être concurrencées par cette forte disponibilité, par les graminées et la forte disponibilité en azote. Mais il y a aussi tout un tas de nitrophiles qui peuvent tirer profit de ça. Et l'exemple le plus typique, c'est le cas du mouron des oiseaux qui vient, dans certaines situations, perturber l'installation avec ses fortes disponibilités en azote. Deuxième compartiment, c'est ce qui relève de la préparation du lit de semence. Et derrière cette préparation, c'est finalement les exigences de nos fourragères. On est en phase de très petites graines qui présentent de très faibles réserves. Et ça amène deux exigences en termes de préparation du sol. La première, je reprendrai tout à l'heure, mais elle est de semer en surface, de manière à ce que lorsque la jeune graine se met en germination, elle soit en capacité de récupérer rapidement la lumière et donc de devenir un peu autonome d'un point de vue photosynthèse. Mais il nous faut aussi avoir un sol rappuyé en profondeur, de manière à ce que les remontées d'eau soient facilitées. Donc ça, c'est des exigences sur lesquelles, d'un point de vue préparation du sol, on a quand même beaucoup de précautions à prendre pour maximiser la qualité de l'installation.
Ensuite, troisième compartiment, c'est celui de la germination et de la mise en levée, avec un élément sur lequel l'éleveur n'aura pas forcément la main, mais c'est les caractéristiques du lot de semences. Et derrière ces caractéristiques, c'est la faculté germinative de ce lot de semences, avec possiblement une part de graines qui ne vont pas forcément avoir une bonne aptitude à la germination, même si on va chercher des semences à un moment donné sélectionnées, on peut se retrouver en face de cette difficulté, avec aussi des exigences propres à l'espèce, hein, qui vont amener aussi il nous faut aussi prendre en considération les facteurs température et humidité qui vont derrière impacter la qualité de l'installation, la mise en germination des différentes fourragères, avec des conséquences en termes de date et de période de semis. Hein, cette vitesse d'installation étant différente entre les fourragères, on a derrière ça des précautions à prendre en termes de date limite d'implantation. Ensuite, la phase d'installation en tant que telle, et là, c'est finalement la mise en concurrence qu'on va avoir au niveau de la parcelle entre ces jeunes graminées et légumineuses fourragères qu'on souhaite installer, et puis toutes ces espèces qu'on peut mettre derrière le salissement, qui vont à un moment donné avoir une certaine forme de nuisibilité sur les jeunes plantules en germination, avec des conséquences sur les pertes, des conséquences sur le peuplement. Et ensuite, sur la période qui suit cette phase d'installation, qui est en gros le mois qu'on va trouver juste derrière le semis, il y a la phase de mise en développement du couvert qui, dans cette situation, va aussi être impactée, possiblement, par des conditions climatiques. Si on prend l'exemple d'une implantation d'automne, c'est les conditions hivernales, avec notamment l'impact de l'hiver ou du froid. Si on prend l'implantation de printemps, c'est les conséquences d'une sécheresse estivale qui arrive de bonne heure derrière une implantation de printemps qu'on positionnerait, par exemple, sur le mois entre le 15 mars et le 15 avril. Donc tout ça combiné, ça fait quand même un paquet de facteurs qui, possiblement, peuvent impacter la qualité d'une implantation de prairie. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les exigences de nos fourragères, on est en face de très petites graines. Là, vous avez visuellement un certain nombre de fourragères. Vous voyez, visualisez bien la taille de ces graines qui, dans certaines situations, présentent un très faible niveau de réserve. Ça amène forcément deux exigences en matière d'implantation. La première, elle est de semer en surface. Donc, on a besoin d'une préparation de sol en gros de 5-7 cm de terre fine dans lequel on va semer dans le tout premier centimètre. Le fait de descendre et d'être sur un mauvais contrôle de cette profondeur de semis va amener des pertes à la levée et va impacter le taux de levée qu'on va générer derrière cette phase d'installation. Le petit graphique que vous avez en bas là, il reprend en fait l'impact du niveau de profondeur des graines lors de l'installation et ses conséquences sur le taux de levée. Quand vous descendez, on va prendre l'exemple d'une fléole qui est une très petite graine, hein, qui est celle qu'on a tout à droite là, eh bien une fléole positionnée à 3 cm de profondeur, c'est se mettre dans une situation où il y a un taux de levée qui va descendre aux alentours de 50%. Le taux de levée, hein, on reprendra ça tout à l'heure, mais c'est le rapport que l'on a entre le nombre de plantules que l'on voit sortir du sol et puis le nombre de graines que l'on a mis le jour du semis, le nombre de graines mètre carré que l'on a mis le jour du semis. Deuxième élément important qui va aussi impacter la qualité de cette installation, c'est le fait de travailler sur un sol rappuyé. Alors, il y a deux niveaux dans cette question du rappuyage. Il y a le fait d'être avant semis sur un sol qui soit suffisamment rappuyé de manière à ce que les remontées capillaires soient favorisées. Donc, il ne faut pas être dans la situation d'une terre soufflée sur 15-20 cm. Il faut avoir quelque chose de bien émietté en surface avec quelque chose de rappuyé en profondeur de manière à ce que les remontées capillaires soient favorisées. Et autre particularité vis-à-vis de ce tassement, c'est aussi de disposer d'un tassement le plus énergique possible après semis, de manière à ce que le contact sol-graine soit le plus efficace. Et pour s'en convaincre de l'impact du tassement, il suffit de regarder les levées, la dynamique des levées dans une prairie à l'échelle d'une parcelle. C'est souvent dans les tours, hein, c'est souvent dans les bouts, c'est souvent dans les endroits où on vient à plusieurs reprises faire passer le rouleau, en fait, à un moment donné, le cultipacker, là, comme sur cette photo. C'est là que vous avez les levées les plus rapides, ou encore dans les zones de passage des roues de tracteurs.
Donc cet élément-là, il est important et il ne faut surtout pas le négliger. Je dirais que dans certaines situations, de passage de rouleau, c'est souvent favorable d'un point de vue mise en contact du sol avec la grève. Alors, le projet en Implantec, hein, sur lequel nous avons travaillé, donc un projet financé dans le cadre de France Agrimaire, avec les partenaires Chambre d'Agriculture, Ferme Expérimentale, qui était la ferme de Torigné et Moron. Dans ce projet, on avait eu pour ambition de travailler un petit peu les conditions de l'implantation de la prairie au regard de plusieurs éléments ou plusieurs critères. Il y a d'une part revisiter un petit peu les références autour des dynamiques de levée de nos fourragères dans l'objectif d'estimer les pertes à la levée. Et puis une deuxième entrée qui était celle de travailler la question de la dose, où là on a travaillé des modulations de dose à plus ou moins 30% par rapport à une dose pivot. Et dernier élément que l'on a mis en comparaison, c'est l'impact du mode de semis, comparant en fait deux modes d'installation, le semis en ligne versus le semis à la volée. Alors ces trois questions-là, elles ont été abordées sur deux sites expérimentaux avec deux modèles de prairies, le cas de la prairie d'association sur lequel je vais revenir juste après, et le cas de la prairie multi-espèces. Et les dispositifs espèces, là, ça a nécessité la mise en place de fourragères semées en pur, de manière à regarder un peu les conditions de la dynamique des levées et les pertes à l'installation. Et sur la photo du bas, là, vous avez un exemple de dispositif expérimental, donc on est sur des essais analytiques, hein, en bloc à 3 ou 4 répétitions, avec positionné sur les parcelles élémentaires, là, des zones d'observation, des quadrats de 50 cm de côté sur lesquels nous avons travaillé pour qualifier la dynamique de levée de nos fourragères et les pertes à l'installation. Alors, les variables qu'on a étudiées dans le dispositif espèce, elles sont présentées dans cette diapo-là. On resegmente ça en plusieurs compartiments. Donc il y a la phase de semis sur lequel forcément on est parti sur des espèces semées en pur, donc derrière une espèce semée en pur il y a la question de la dose de cette espèce, les kilo-hectares sur lesquels on est allé, et ces kilo-hectares on les a tout de suite convertis en un nombre de grains de mètre carré en calculant ou en faisant analyser le poids de 1000 grains, hein. Donc le nombre de graines par gramme, pour chacune de nos, a donc été déterminée pour chacune de nos espèces fourragères sur lesquelles on a travaillé ces questions de perte à la levée. Donc la dose de semis combinée avec ce PMG, ça nous a amené à calculer un peuplement théorique au semis le jour du semis. Ce peuplement théorique, on l'a ensuite minoré d'une faculté germinative. C'est-à-dire que là, sur cette phase-là, on a fait analyser la faculté germinative des lots de semences sur lesquels on travaillait. On a travaillé de manière à déterminer le peuplement théorique apte à la germination. Et sur ce peuplement théorique apte à la germination, et pour qualifier à partir de ce peuplement apte à la germination, on a regardé la dynamique des levées à partir d'observations sur quadrats. Donc les quadrats, vous les avez visualisés sur les photos de cette diapo. Donc le quadrat, c'est un cadre de 50 cm de côté qui est quadrillé, qui est répété, donc positionné dans chacune des modalités. On avait 6 quadrats d'observation, et sur ces quadrats d'observation, on a fait des photos, dont on a calibré en fait la manière de les réaliser, hein, de manière à toujours être à peu près à la même hauteur de prise de vue. Et on a pris des photos toutes les semaines depuis l'installation jusqu'au moment où finalement le couvert il se referme tellement que les comptages ne sont plus possibles. Et donc les comptages, ils ont été effectués à l'intérieur, sur la base de la lecture de ces photos, donc sur écran. On a dénombré le peuplement à l'installation de nos différentes fourragères. Donc le nombre de plantules levées a donc été dénombré à l'intérieur de ces quadrats. Les adventices, de la même façon, on a calculé un taux de levée, un peuplement à l'installation dans la phase au niveau des adventices. Et le rapport qu'on a pu faire entre les plantules levées rapportées au peuplement théorique apte à la germination ou au peuplement le jour du semis, ça nous a permis de déterminer un taux de levée. Deuxième indicateur sur lequel on a travaillé, c'est l'estimation du taux de perte. Alors le taux de perte, comment on l'a fait ? Donc en fait, on a installé la prairie début septembre, c'est découvert
c'est des implantations de début septembre. Donc la phase de comptage levé, elle s'est déroulée en gros dans le mois qui a suivi. Et ensuite, on a retrouvé nos prairies sur le printemps. Et sur chacun des, on a en gros fait 2 à 3 cycles sur le printemps, des récoltes sur lesquelles on a mesuré le rendement. Et on a regardé aussi l'évolution de la contribution des adventices dans le peuplement à l'installation. Et au niveau du troisième cycle, on a fait ce qu'on a appelé un comptage destructeur. C'est-à-dire qu'au niveau du quadrat en question, là, on a carrément déterré les pieds de fétuc, de trèfle violet, de luzerne dans nos quadrats, de manière à calculer, à estimer le nombre de pieds mètre carré sur lequel le rendement de la première année s'est donc constitué, et le rapport entre ce nombre de pieds mètre carré et le peuplement théorique à l'installation le jour du semis, bah, ça nous a permis de déterminer un taux de perte. Donc la diapo suivante, bah, elle resitue un petit peu le comportement d'un certain nombre d'espèces au regard de cette dynamique de levée, hein, dans lequel vous retrouvez bon, les espèces prises individuellement, et on va retrouver un certain nombre d'indicateurs qui sont présentés dans cet histogramme. Prenons l'exemple de la fétuque élevée qu'on a semée à… Alors dans mes souvenirs, on était à 25 kg hectare. 25 kg hectare, c'est un équivalent le jour du semis de 1250 graines mètre carré. Faculté germinative estimée, ben, on passe de 1250 graines mètre carré à 1025 graines aptes à la germination. Sur ces 1000 graines aptes à la germination, on a dénombré un peu plus de 500 plantules de fétuque élevée, hein, dans nos différents quadrats. Et au moment du comptage destructeur, on s'est retrouvé avec un peuplement, un nombre de pieds de l'ordre de 800, un peu plus de 800 pieds mètres carrés de fétuque élevée. Et là, ça c'est pour illustrer en fait le comportement d'une espèce qui a finalement une dynamique de levée assez échelonnée. Le peuplement, il se met en place de manière étalée, sur l'automne, et puis possiblement aussi un petit peu sur la phase d'installation, le démarrage de végétation sur le printemps. Et ça, c'est un peu en opposition avec une autre espèce, par exemple le régrat hybride, ou même le régrat anglais, où là, on est à 1260 graines mètre carré, toujours sur une base à 25 kg hectare, 1260 graines mètre carré, un peu plus de 1000 graines aptes à la germination, faculté germinative déduite, et on retrouve, au moment du comptage levé, un peuplement d'à peu près 750, on va dire, plantules, qui, au moment du comptage destructeur, finalement évolue peu. On est dans la même gamme de pieds, aux alentours de 780 pieds mètre carré, avec une variabilité qui était là, mais d'un point de vue dynamique de levée, ben on est là en face d'une espèce pour laquelle les levées sont finalement relativement groupées. Alors, je t'interromps par exemple de 5 minutes pour deux petites remarques. Alors, la première est d'ordre technique, certains ne voient pas le bas des diapos. Alors, si c'est votre cas, vous pouvez… Il y a une petite icône avec deux flèches qui partent en diagonale en bas à droite de votre écran. Si vous cliquez dessus, vous devriez voir l'entièreté de la diapositive. Donc ça, c'est pour l'aspect technique. La deuxième, c'est une question plus technique. Alors Patrice, est-ce que tu peux nous expliquer comment est calculée la faculté germinative dans ce… Alors, c'est une analyse qu'on a fait faire au GVS, hein. Donc c'est en conditions contrôlées. On n'est pas dans les conditions du sol de la parcelle, on est sur un test de faculté germinative sur buvard tel qu'on le fait habituellement sur des lots de semences, quoi. D'accord. Dernier comportement que je voulais illustrer, bah, c'est par exemple celui du trèfle violet, où vous voyez une régression permanente entre notre peuplement à l'installation et puis ce qu'on retrouve dans l'installation, au moment du comptage destructeur, puisqu'on passe de 1400 graines mètre carré de trèfle violet à 370 pieds, 379 exactement, au moment du comptage destructeur. Là, on est en face d'une espèce, et ça c'est une réalité pour un certain nombre d'entre elles quand même, on est en face d'une espèce pour laquelle les conditions de l'hiver, et notamment l'humidité là, dans notre situation, bah, peuvent aussi amener des pertes dans la phase d'installation et défalquer en quelque sorte le peuplement qu'on a mis le jour du semis. Donc ces dynamiques-là, en fait, on a fait des regroupements sur les deux années, hein, et puis sur les deux sites,
Elle nous amène à ça. Elle nous amène à, cette, à ce comportement moyen, en fait, un taux de perte moyen de l'ordre de 50%, avec une variabilité qu'elle a, hein, plus ou moins 18%. Mais tout ça, c'est une réalité qu'on a pu mesurer dans les conditions des essais qu'on a menés sur cette question-là. Donc, sur 100 grammes de mètre carré, il y en a quand même à peu près la moitié sur lequel, finalement, on pourra compter pour la mise en place du couvert prairial. Ça peut amener à la réflexion suivante, se dire bah, faut se donner plus de sécurité en matière d'installation et pourquoi pas majorer le peuplement à l'installation en majorant la densité à l'installation. Et donc c'est ce qu'on a cherché à faire dans le deuxième dispositif où on a travaillé sur la question de la modulation des doses. Alors là, je vous présente le modèle Régrat-Trèfle, hein, qui a donc été travaillé sur Mouron. Modulation des doses, ça voulait dire appliquer le jour du semis. Mettre en comparaison plutôt le jour du semis, une dose pivot, donc 23 kg/hectare d'une association de type Régrat-Trèfle, 20 kg de Régrat et 3 kg de trèfle blanc, sur lequel on a appliqué une majoration de plus ou moins 30%. Donc le plus 30%, ça veut dire passer aux alentours de 30 kg, en faisant varier l'ensemble du peuplement, graminée comme légumineuse, ou en agissant uniquement que sur la composante graminée, c'est l'histogramme numéro, enfin c'est le camembert numéro 4 là, où on ne fait augmenter que la composante graminée. Et puis à l'opposé de ça, eh bien on a mis la variation inverse, c'est-à-dire qu'on a appliqué une variation à moins 30% de notre peuplement, avec l'idée bah, de regarder les conséquences de cette modulation de dose à l'installation sur bah, la qualité de l'implantation, l'impact sur la productivité du couvert et la mise en place de cette prairie d'association. Qu'a-t-on ? Alors visuellement, hein, bon, les photos elles le reprennent peut-être pas très bien, mais là vous avez un exemple de modalité avec les doses pivot plus ou moins 30 et la dose repère centrale. Là, visuellement, on voyait peu de différence dans l'aspect qu'avait le peuplement au moment de sur le printemps. Là, on est sur le deuxième cycle du printemps, un aspect visuel peu contrasté entre les deux modulations de dose. Enfin, entre la dose pivot et les deux modulations de dose. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Je passe tout de suite les animations. Le fait d'augmenter le peuplement. Donc d'augmenter la dose, effectivement, mathématiquement, on va augmenter le peuplement à la levée. Hein. Bon, le petit ratio, hein, avec 100 graines supplémentaires de Régrat, bah, c'est un peu plus 70 pieds mètres carrés qu'on retrouve à la levée en supplément. Mais cette augmentation de dose, quand on regarde le comportement du pivot moins 30 avec le pivot plus 30, elle ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de rendement. Et c'est ce qui illustre les deux lignes du dessous. Pivot moins 30, on est à 830 graines mètre carré de l'association Régrat-Trèfle, tout combiné, pour aller vers 510 pieds de Régrat-Trèfle sur le printemps, au moment du comptage destructeur. L'ensemble combiné des récoltes ont été réalisées sur le printemps, donc C1, C2, C3, le C1 étant plus une coupe de nettoyage, C2, C3 étant plus là le résultat de la mise en place du couvert, bah, ça nous amène à peu près à 4 tonnes de matière sèche hectare récoltées sur le printemps. Et quand on regarde le pivot plus 30, ben on est à 1477 graines mètre carré de l'association Régrat-Trèfle le jour du semis. Donc il y a quand même un écart par rapport aux 800 du pivot moins 30. On passe à 720 pieds au moment du comptage destructeur. Eh bien c'est ce peuplement, d'un point de vue statistique, il nous amène à un rendement de l'ordre de 3 tonnes 6, qui est statistiquement, c'est pas significatif. On n'a pas d'écart entre les deux modalités d'un point de vue niveau de rendement obtenu. La dose faible versus la dose plus élevée amène à un potentiel, à l'expression d'un potentiel qui est quasiment au même niveau entre les deux modalités. Autre impact, bah c'est celui du, et là c'est une illustration aussi pour amener cette réflexion que sur certaines espèces il y a des capacités de récupération. Et je prends l'exemple du trèfle blanc. On était sur ce dispositif-là, on s'est retrouvé sur une année avec une très faible, un taux de levée impacté, on avait une très faible installation des légumineuses, taux de levée de l'ordre de 20%. Et pour autant, avec 20% de plantules
qu'on retrouve en levée au moment du comptage. On a eu quand même une installation correcte des légumineuses sur le printemps suivant. Tout ça par rapport au fait que vis-à-vis du trèfle blanc, ben, vous avez une capacité de récupération. C'est-à-dire que c'est une espèce qui, par ses deux barres, l'estolon qu'il est capable de faire, ben, va pouvoir compenser à un moment donné, si on se faible peuplement, si on se donne les moyens de lui donner de la lumière et donc d'avoir des modes d'exploitation qui pourront lui faire accéder à ces conditions de luminosité pour lui permettre de s'installer. Et là, vous avez l'exemple en C1, C2, C3 de la contribution du trèfle blanc dans le rendement. Sur le premier cycle, il ne fait même pas 6%, enfin entre 4 et 6% de contribution dans le rendement. Il passe entre 30 et 40% sur le C2 pour être à peu près à la moitié du rendement, une contribution pour moitié sur le C3. Et donc là, une prairie correctement installée. Donc sur des espèces comme le régras, le trèfle blanc, le régras aussi, je pense qu'il est dans cette capacité-là, on a des capacités de compensation. En revanche, sur des espèces qui sont en pied isolé, prenons l'exemple de la luzerne, prenons l'exemple du trèfle violet, prenons l'exemple de la fétuque, toutes ces espèces qui sont en pied isolé, si le peuplement à l'installation il est limité ou limitant, on aura difficilement une capacité de récupération derrière et la prairie peut rapidement être déséquilibrée par cette difficulté dans l'installation d'une espèce à un moment donné. Alors, comparaison semi à la volée, semi en ligne. Donc, dans ce dispositif-là, on s'est amusé à comparer les deux modes d'installation. Les prairies, dans pas mal de situations, sont souvent installées avec des semoirs à céréales, donc on amène du lignage. Et on a voulu mettre ça en comparaison, en fait, avec un semi beaucoup plus aléatoire, une répartition beaucoup plus aléatoire des graines. Donc, aller sur un dispositif de type semi à la volée. Alors, concrètement et pratiquement, pour mettre en place ça, on est parti sur un semoir à bottes. Dans la configuration de la photo de gauche, on laissait ligner les bottes, on laissait filer sur le sol les bottes, et les graines étaient donc quelque peu enterrées, on avait du lignage, alors que sur la photo de droite, semi à la volée, là on a relevé les bottes de manière à amener un éparpillement de nos graines à l'installation. Alors, il y a d'autres dispositifs qui permettent de faire ça. Les distributeurs à petites graines pourraient nous amener aussi à cette répartition très à la volée. L'idée, c'était d'amener une répartition aléatoire des graines le jour du semis. Et on a regardé, en fonction de ces deux modes d'installation, les impacts que ça pouvait avoir sur un certain nombre d'indicateurs. Le premier, le taux de levée. Le taux de levée, je vous rappelle, c'est le rapport entre le nombre de plantules que l'on met le jour du semis, que l'on voit apparaître dans la phase de levée, rapporté au nombre de graines mètre carré qu'on a mis à l'installation. Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, quand on sème à la volée, on renforce le taux de levée par rapport à un semi en ligne. On met en germination un nombre de plantules, de graines finalement plus importants, qui se caractérisent finalement par un nombre de plantules un peu plus important dans la phase de levée, c'était significatif de l'ordre de 7% supplémentaire dans la phase de levée, la configuration d'un semis où les graines sont éparpillées versus les graines lignées, enfin elles sont dans un alignement, dans du lignage. Le taux de salissement, il est minoré sous l'effet d'un semis à la volée, enfin dans les essais qu'on a pu faire sur 2017-2018, et ça s'est revu aussi sur la deuxième série, on a eu ce même comportement, on a un taux de levée qui est minoré sous l'effet d'un semis à la volée par rapport à un semis en ligne. Alors dans la configuration des sols sur lesquels on a travaillé, la moron, c'est une problématique moron des oiseaux, une problématique dicotylédone qu'on voit réapparaître dans la phase d'installation. Cette répartition aléatoire, amène une certaine forme de concurrence pour l'accès à la réserve nutritive, on va dire, et puis il y a aussi concurrence pour la lumière à un moment donné. Et donc on a une contribution qui est minorée sous l'effet d'un semi, d'une répartition aléatoire par rapport à un semi en ligne vis-à-vis du mouron des oiseaux. Le rendement, alors là, les chiffres qui sont là, c'est des rendements petites parcelles, donc il ne faut pas les prendre pile poil en termes d'indication dans le cas d'une configuration d'une grande parcelle, mais ce qu'on a quand même pu mesurer, c'est une augmentation du rendement sous l'effet d'une répartition aléatoire des graines par rapport à un semis en ligne. Cet effet-là, il est probablement lié aussi au peuplement qui est à un moment donné un peu plus important, un accès aussi à la réserve nutritive qui se fait de manière aléatoire et non dans des lignes où là il y a une concurrence en quelque sorte entre les jeunes plantules vis-à-vis de cette réserve, ce qui peut amener à un renforcement à un moment donné des pertes à l'installation.
Et dernier élément, bah, c'est la contribution des adventices, puisque là, on a poussé le truc un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on les a vus lever, ces adventices-là, et on a chiffré, en quelque sorte, bah, leur contribution dans le rendement en faisant un tri pondéral sur le premier cycle entre les espèces semées et puis les adventices qu'on voyait arriver. Donc une contribution dans le rendement minorée sous l'effet d'un semis à la volée par rapport à un semis en ligne. Donc nous, enfin, les préconisations sur lesquelles on est en matière d'implantation, bah, c'est de rechercher au maximum cette répartition aléatoire, de sortir un peu du semis en ligne, qui est forcément une porte d'entrée pour le salissement à un moment donné. Donc potentiellement, ces adventices pourront avoir une certaine forme de concurrence sur les espèces prairiales. Ce semis à la volée, il contribue aussi à mettre en germination un peuplement un peu plus important. Et donc, on se met dans une configuration où on va optimiser en fait la qualité de l'installation. Alors, dernière séquence de ce travail, alors c'est des éléments que je suis allé chercher dans d'autres dispositifs pour illustrer une problématique sur laquelle on va être, à mon sens, ces conditions-là vont être de plus en plus prégnantes, c'est les conditions climatiques de la phase d'installation. Et si je prends l'exemple de Torigny d'Anjou, même de Mauron, classiquement, on a des prairies qu'on va implanter début septembre. C'est la période habituelle, hein, de la première, en gros, dernière décade d'août, première décade de septembre, on est un peu dans ce créneau-là jusqu'à maintenant, avec une vraie difficulté depuis un certain nombre d'années, bah, c'est la persistance de jours caniculaires qui s'étalent au-delà de la fin août pour se prolonger jusqu'à quasiment fin septembre, avec des conditions où on peut mettre, on arrive et on arrivait à installer les prairies dans des conditions de mise en place d'un point de vue travail du sol correct, mais derrière on a des plantules, des graines qui se mettent en germination, avec des conséquences sur des pertes dans la phase de levée sous l'effet de ces fortes températures. Et donc ces conditions-là, elles nous ont amené à réfléchir en Pays de Loire dès 2011 à des leviers un petit peu alternatifs nous permettant de nous affranchir de ces conditions de sécheresse automnale persistante. Et c'est ça qui nous a amené à travailler la question de l'implantation des prairies sous couvert. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on a... Enfin, c'est une technique qui était déjà pratiquée par le passé, on l'a simplement un peu remis au goût du jour, dans des configurations d'aléas climatiques persistants sur le mois de septembre. L'implantation sous couvert, elle est bien connue au printemps, hein, notamment pour l'implantation des légumineuses, hein, sous couvert d'avoine ou d'orge de printemps, hein, ça c'est une pratique qui est aussi mise en place dans les exploitations. L'implantation sous couvert de céréales ou de mélanges céréaliers à l'automne est peut-être un peu moins référencée, et donc c'est dans cet objectif-là que nous avons mis en place sur les Pays de Loire un certain nombre d'essais analytiques permettant de comparer en fait différentes modalités d'installation. L'implantation sous couvert de manière simultanée à l'automne d'une prairie multi-espèce ou d'une prairie d'association sous couvert d'une céréale. Et deuxième itinéraire qui a été mis en test aussi dans ce dispositif-là, c'est le fait de pratiquer un sursemis au printemps dans une céréale installée à l'automne. Et là, visuellement, vous avez trois exemples, hein, de prairies. Tout à gauche, c'est une implantation classique, hein, d'une PME derrière une céréale récoltée début juillet avec la mise en place du couvert qu'on retrouve à l'automne de cette même année, où là, visuellement, vous allez me croire sur parole, mais la photo, en fait, c'était des jeunes plantules d'espèces fourragères mélangées avec un fort salissement par le mouron des oiseaux. Deuxième situation, la photo du milieu, c'est le cas d'une prairie multi-espèce implantée sous couvert d'une céréale. Et là, on est dans la configuration d'une installation simultanée. La fourragère et puis la céréale sont implantées en même temps à l'automne. Alors, je vais redétailler un petit peu l'itinéraire juste après. Et la troisième photo, c'est pour illustrer le semis décalé, c'est-à-dire qu'on installe la céréale pour revenir après, on sursemis au printemps. Alors, d'un point de vue pratique, hein, la mise en place de cet itinéraire-là, elle nous a amené donc à décaler la mise en place de la prairie de début septembre à début octobre. Et décalant la mise en place jusqu'à début octobre, eh bien, on a avancé la mise en place du mélange céréalier de la fin octobre à début octobre. Tout a donc été semé. Alors, dans les premiers itinéraires, ça a été semé en deux temps. Hein, on commençait par semer la céréale avec son niveau d'exigence en termes de profondeur,
pour descendre ensuite, pour revenir juste derrière, le même jour, avec l'implantation de la prairie. Semis le plus à la surface possible, tassement juste derrière l'implantation. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon, elle a consisté aussi à utiliser des semoirs double caisson qui nous permettaient de nous affranchir d'un passage, c'est-à-dire qu'on sème la céréale ou le mélange céréalier en ligne et on dispose sur ce semoir-là d'un deuxième caisson qui nous permet de semer les fourragères à la surface dans les entrerangs, dans les entrerangs du mélange céréalier ou de la céréale. Et le sursemis, il consistait à refaire un passage d'un outil de semis classique, hein, on n'était pas sur un outil spécifique, hein, c'était le semoir à céréales, dans lequel on revenait, après un griffage préalable du sol, on revenait sursemer la prairie au printemps dans une céréale ou un mélange céréalier en phase d'installation. Alors quelques exemples de résultats. Là, c'est les travaux qui ont été conduits par nos collègues de la ferme expérimentale de Torigné, d'Anjou, donc un système en agriculture biologique. On a testé en fait deux façons de valoriser aussi cette implantation simultanée prairie sous couvert de mélange céréalier. La première façon, c'est celle d'une récolte en ensilage, c'est-à-dire qu'on fait une valorisation fourragère de l'ensemble, et dans la diapo suivante, ce sera une valorisation grain. Qu'est-ce qu'on a vu ? Donc là, vous avez comparé, en fait, sur les deux années qui suivent la mise en place, la productivité des couverts. Alors, soit semé sol, donc le une prairie à fleurs variées semée sol, donc dans l'itinéraire classique, venant derrière l'implantation, la récolte d'un mélange céréalier. On est début septembre, on sème la prairie de manière classique, on la récupère au printemps suivant avec une productivité de l'ordre de 7 tonnes 2. En N plus 1, on est un peu plus de 7 tonnes de la même façon. Une prairie installée à hauteur de 14 tonnes au global. Et puis, vous avez l'itinéraire combiné, tritical poids, donc c'est une base de mélange céréalier qui est utilisée sur la ferme, un tritical poids ensilé dans lequel on a mis en place le même jour une prairie à fleurs variées. Alors, les prairies à fleurs variées de Torigné, c'est des mélanges régrand anglais, fétuc élevé, trèfle blanc, trèfle hybride, avec un peu de lotier corniculé. Donc cette prairie à fleurs variées, semée de manière combinée, a fait l'objet d'une récolte en ensilage au printemps suivant. On a récupéré une productivité de l'ordre de 11 tonnes 7 de mélange céréalier ensilé. Le mélange céréalier sorti de la parcelle, la prairie qui était au pied en fait, hein, a pu se mettre en développement à partir de début juin pour la retrouver en repousse automnale à hauteur de 1 tonne 7. Donc c'est le rendement classique d'une prairie qu'on peut retrouver dans nos secteurs sur la repousse automnale, pour la retrouver ensuite en N plus 1 à hauteur de 8 tonnes 2. Au global, un peu plus de 20 tonnes de matière sèche récupérées sur les deux années consécutives. Une différence entre les deux modes d'installation, c'est-à-dire que dans la configuration de la prairie installée de manière simultané avec le tritical poids, on retrouve une repousse automnale, mais elle se distingue quand même clairement de l'itinéraire classique, c'est-à-dire que d'un point de vue sol, on est en face d'une prairie rappuyée, on est en face d'une prairie qui est devenue portante, sur laquelle on peut passer des animaux. Ça, c'est une vraie différence avec l'installation classique, dans laquelle finalement on peut très bien avoir une repousse, un développement précoce, c'est une nécessité derrière une valorisation précoce, ce sera toujours mieux pour l'installation des légumineuses. Eh bien, dans certaines configurations, l'importance et la pratique du pâturage, elle peut être limitée pour des problèmes de ressuyage insuffisant et d'un sol qui n'est pas suffisamment rappuyé. Autre particularité, c'est que dans cette configuration d'une implantation simultanée, on n'a plus de maîtrise du salissement à gérer. Et donc, toute la phase de dicote qu'on va retrouver dans la phase d'installation, elle se retrouve finalement dans le mélange céréalier, dans cette récolte en ensilage qu'on a pu récupérer, avec des conséquences finalement, on coupe le cycle de ces adventices au moment de la récolte du mélange céréalier, avec derrière une prairie qui s'installe et qui se retrouve finalement nettoyée dans la repousse qu'elle va procurer derrière la récolte de début juin. Donc cette situation-là, elle a aussi été testée en grain. Et là, on a poussé donc l'implantation simultanée, elle est faite, l'itinéraire est le même, sauf que dans cette configuration-là, on ne fait pas un ensilage début juin, on pousse donc jusqu'à la récolte en grain. Alors dans les essais qui ont été menés là,
On récupère, si on compare le triticale pois seul avec la prairie à fleurs variées qu'on met derrière dans l'itinéraire classique, et ce triticale pois, il fait une quarantaine de quintaux. Quand on est en face d'une prairie en mélange, dans les essais qu'on a pu mener là, dans cette situation, on descend à une trentaine, on descend à, en gros à 32 quintaux hectares, on a une perte de productivité. Alors ces résultats-là, ce travail-là, il a fait l'objet d'essais complémentaires pour vérifier en fait la robustesse de ces observations. Et aujourd'hui, on est quand même en capacité de dire que la récolte grain, au travers des derniers essais qui ont pu être menés, elle n'est finalement pas aussi impactée que celle qu'on a pu afficher, la hauteur de moins 30, en prenant la précaution quand même d'aller chercher des prairies qui ne soient pas trop agressives d'un point de vue installation. C'est-à-dire que les mélanges à base de fétuc, les mélanges avec des espèces qui sont finalement assez lentes d'installation, vont moins concurrencer le triticale pois qu'on choisit de récolter en grain que dans la configuration d'une prairie beaucoup plus agressive, comme par exemple une courte durée ou un régras anglais, tout simple, un régras trèfle. Ça pourrait être globalement assez agressif sur l'installation et sur la productivité du mélange céréalier. De la même façon, maîtrise du salissement, on est en face d'une repousse automnale qu'on retrouve de la même façon que l'implantation avec récolte en ensilage. Maîtrise du salissement, des conditions de portance qui nous permettent une valorisation correcte. Alors, côté qualité de l'installation, ça il faut quand même le dire, on est, certes, vous allez certainement réagir là-dessus, mais on est sur des installations finalement assez tardives hein, vis-à-vis de nos espèces. On a testé des bases régras anglais, fétuc élevé, trèfle blanc, trèfle hybride, installé début octobre, donc on est en fait dans des dates un peu limites vis-à-vis de certaines espèces. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est que notamment vis-à-vis des légumineuses, on a effectivement sur le premier printemps qui suit cette installation simultanée une proportion de légumineuses qui est un peu moins importante que ce qu'on pourrait avoir avec un semis classique. En revanche, ça s'équilibre derrière et on ne fait plus la différence en N+1 entre les deux modes d'installation. La seule nuance, la seule limite plutôt qu'on a pu observer, c'est le cas de la luzerne. La luzerne, n'acceptera pas cette technique-là. On est sur des implantations trop tardives. En revanche, trèfle violet, trèfle blanc, fétuc élevé, le dactyle, le régrand anglais, dans des multi-espèces ou en association, je pense que c'est des espèces qui peuvent supporter ces conditions-là. Dans la configuration des essais qu'on avait pu mener, notamment sur l'ouest de la France. Alors, ces travaux-là, ils ont aussi fait l'objet, je passe rapidement, mais ils ont aussi fait l'objet d'essais en ferme. Hein, puisqu'on avait des essais analytiques, mais on avait aussi des bancs d'agriculteurs sur lesquels on a répété les mêmes dispositifs pour voir un peu la robustesse de cette technique-là au regard de conditions de sol différentes. On est à l'échelle des Pays de Loire et les observations qu'on a pu faire dans les essais se sont confirmées dans les dispositifs observation en bande chez les éleveurs. Donc c'est une solution qui, à mon sens, va trouver toute sa place dans les conditions de ce changement climatique là dont on parle tant et sur lequel finalement l'implantation de la prairie va aussi être perturbée. On a là, avec l'implantation des prairies sous couvert, un moyen de contourner cet aléa-là. Alors, j'ai pas évoqué les conditions, là je vous ai présenté simplement que les implantations simultanées d'automne. Alors sachez que dans la configuration d'un sursemis au printemps, la technique peut fonctionner avec quand même un niveau d'exigence ou un caractère, il y a des facteurs qui peuvent être perturbants et c'est notamment la douceur de l'hiver qui dans certaines situations peut amener des développements précoces des céréales ou du mélange céréalier avec à la clé une véritable difficulté pour réaliser le sursemis derrière. C'est-à-dire que là il y a un caractère aléatoire dans la mise en œuvre du sursemis de la prairie multi-espèce sur le printemps, quand on vient réimplanter ce couvert sur un mélange céréalier ou une céréale installée à l'automne, on est devant cette difficulté-là, c'est que suivant les années, on peut ne pas être en capacité de passer par rapport à des défauts de portance ou deuxième configuration, pouvoir passer, mais le couvert peut être trop développé, ce qui fait que le sursemis il est un peu voué à l'échec. Je vous remercie. Ces travaux ont donc fait l'objet d'une publication dans le cadre d'une plaquette là, qui résume un petit peu les résultats obtenus sur ce dispositif Implantec. Vous pouvez aussi trouver en téléchargement sur le site de la Chambre régionale des Pays de Loire les plaquettes illustrant les implantations de semis sous couvert, à la fois en récolte en ensilage comme en récolte en grain. Je vous remercie, je suis disponible
pour répondre à vos questions. Voilà, merci. Alors, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Une première qui est liée, je pense, plutôt à l'ouest, au niveau des adventices. On a a priori cette année pas mal de levées de joncs des crapauds dans les prairies temporaires qui concurrencent sérieusement la prairie en place et qui ont le risque de se ressemer. Est-ce qu'on a des pistes pour gérer cette adventice-là dans les temporaires? Alors, le joncs des crapauds, il ressort aussi derrière les conditions de l'humidité hein, qu'on a pu avoir. Il a un pouvoir de grenaison qui est là. Après, je pense que c'est quand même une espèce qui va être concurrencée par, par le peuplement, enfin par les fourragères et l'accès à la lumière à un moment donné. Donc, les coupes, enfin l'utilisation précoce du couvert. Bah, peut être un levier pour le freiner. Moi, je l'ai jamais vu devenir concurrent, faisant des plaquages, des mosaïques de végétation, comme on peut l'avoir avec un bourdon des oiseaux, par exemple, qui lui va prendre de l'ampleur et va vraiment concurrencer dans la phase d'installation. C'est bon, c'est une joncassée qui est pas hyper agressif, qui peut prendre de la place, mais je pense que des utilisations précoces. La concurrence pour l'accès à la lumière va freiner son développement et on peut derrière ça retomber sur une situation plus contrôlée, quoi. Ensuite, une série de questions sur l'essai par rapport au semis à la volée. Ouais. Alors, quelles sont les espèces qui ont été semées comme ça et est-ce qu'il y a des espèces qui sont à proscrire, on va dire, pour un semis à la volée ou justement très conseillé? Alors, on l'a fait sur les deux modèles de prairies, hein, la prairie d'association. Là, on voulait se mettre dans la configuration de l'utilisation par les éleveurs. Donc, on a testé deux modèles de prairies, le régras trèfle et la multi-espèce. Donc, une base régras anglais, fétuc élevé, trèfle blanc, trèfle hybride. Les essais, alors, sur multi-espèce, quand on est en face de plantes en pied isolé, notamment avec des fétuques, certaines légumineuses comme le trèfle hybride, t'as probablement moins de capacité de compensation. Du fait de l'éparpillement, on va dire, comparativement à un modèle prairie d'association de type régras trèfle. Le caractère significatif hein, des observations qu'on a pu faire là, c'était sur la configuration de la prairie d'association, donc le régras anglais, le trèfle blanc. Les résultats, c'est pour ça que je ne les ai pas présentés, d'un point de vue mélange multi-espèces, eh bien les résultats qu'on a pu obtenir ne s'avérait pas significatif d'un point de vue rendement, hein, d'un point de vue augmentation de la productivité. En revanche, côté dynamique de levée et puis taux de salissement, on est retombé sur les mêmes comportements, quoi. Et donc, toujours sur le semis à la volée, est-ce qu'il y avait un peigne derrière ou quelque chose pour appuyer ? En fait, là, c'est un semoir à bottes. Donc, on relève les bottes, on est à 15-20 cm du sol. Puis derrière, il y a un petit peigne. C'est donc des dents de hercétrie qui viennent gratter le sol à la surface. Donc ça contribue à l'éparpillement. En revanche, il faut se méfier sur certains semoirs, et notamment des dispositifs en pas de doigt, là. Enfin, des dents qui sont en V à l'extrémité. Dans certaines situations, ces outils-là, ils peuvent aussi refaire du lignage. Donc, on est vraiment dans l'idée de gratter en surface, hein, mais sans déplacer trop le sol. C'est déjà un premier, comment dire, on met déjà en contact la graine avec le sol qu'on va conforter derrière par le passage du rouleau. C'est le passage du rouleau qui va derrière vraiment mettre tout ça en jonction, on va dire, et la herse, elle est simplement là pour éparpiller encore un peu plus l'installation, la mise en place des graines le jour du semis. Ok, alors ensuite, plutôt sur la partie sur le semis sous couvert, est-ce qu'il y a des espèces qui sont conseillées donc, pour le semis sous couvert, plutôt automne, printemps, est-ce qu'il y a des différences par rapport à ça? Alors, on n'a pas fait de comparaison automne-printemps, on a travaillé ce sujet-là sur l'implantation d'automne, et là, on a mis en comparaison plusieurs configurations d'espèces. Moi, la situation que j'ai vue vraiment inappropriée, à mon sens, par rapport à cette technique-là, c'est le cas de la luzerne. On voit moi, je l'ai notamment installé
dans des élevages sous couvert de triticale. C'était des basses triticales luzernes. La luzerne, on la voit lever, mais en revanche, elle est vraiment pénalisée par les conditions de l'hiver, par les conditions de l'humidité de l'hiver, et le peuplement régresse. C'est un peu la contre-indication. En revanche, toutes les autres, régras anglais, fétuc élevé, dactyle, trèfle violet, trèfle blanc, les courtes durées aussi. Nous, on n'a pas vu de contre-indication à l'utilisation de ces espèces-là, de manière en les installant début octobre dans des implantations sous couvert avec céréales, quoi. Hein. La seule difficulté, c'est que sur certaines espèces, on va forcément être en face d'espèces potentiellement concurrentes. Je prends l'exemple des courtes durées. Donc derrière ça, c'est forcément une valorisation fourragère. C'est-à-dire que pour l'avoir pratiqué, installer un régras hybride trèfle violet sous couvert d'une céréale, l'hybride, il est potentiellement très agressif. Là, l'optique, elle est plutôt d'en faire une valorisation fourragère. Si on va chercher une valorisation grain, on aura des difficultés non seulement par rapport à la récolte, mais aussi par rapport à l'agressivité du couvert prairial vis-à-vis de la céréale. Donc c'est l'agressivité des espèces est à prendre en compte quelque part dans le mode d'exploitation qu'on va envisager. Moi, je suis plutôt pour la sécurisation fourragère, c'est-à-dire je suis plutôt dans cette entrée de faire une valorisation fourragère de l'ensemble prairie multi-espèces mélange céréalier ou céréales au printemps, de manière à libérer finalement la prairie le plus tôt possible sur le printemps et à se retrouver sur une installation qui est un peu confortée avant de rentrer dans le sec de l'été, quoi. La difficulté d'implanter la récolte en grain, c'est qu'on libère quand même la prairie mi-juillet. Chez nous, ça va être ça, d'un point de vue date de récolte. On n'est pas à la veille de se prendre des gros coups de chaud derrière et de revenir à la case départ d'un point de vue installation. On veut s'affranchir des conditions climatiques qui viennent perturber l'implantation du mois de septembre. Ce n'est pas pour revenir à la case départ en remettant la jeune prairie dans le sec de l'été. Donc je pense que la valorisation fourragère, c'est quand même une sécurité sur ce plan-là. Alors ce que je ne vous ai pas présenté, c'est d'autres itinéraires qui consiste à, là on était sur des triticales pois ou triticales avoine pois. Il y a des travaux, notamment en Normandie, où ils ont travaillé l'implantation de la prairie sous couvert plutôt des mélanges enrichis en protéagineux avec peu de céréales, et dans l'objectif de faire des récoltes précoces sur le printemps en ensilage, quoi. De couverts qui sont riches en protéines, on tire un ensilage précoce de ça pour libérer la prairie suffisamment tôt et la retrouver en développement avant de rentrer dans l'été. Okay. Et donc, alors, pareil, pour les sursemis, c'est couvert de céréales d'automne, mais du coup, les sursemis de printemps, est-ce qu'il y a certaines céréales qui sont plutôt à éviter en termes de culture? Celle qui tâle beaucoup, le triticale. Moi, j'ai fait l'expérience, le triticale, s'il est en capacité d'avoir un développement assez précoce, l'avoine, les mélanges sur ces bases-là, potentiellement, vous êtes en face d'une espèce qui peut avoir de l'agressivité, se développer assez rapidement, tâler rapidement, fermer le milieu. Et le sursemis, il est un peu voué à l'échec, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable de passer, hein. Ça veut dire qu'on va arriver à probablement installer, mais derrière, les jeunes plantules qu'on va mettre en germination, comme dans une prairie classique, elles vont se retrouver concurrencées pour l'accès à la lumière. Et donc, ton truc, il ne s'installe pas, quoi. Et sur la gestion de la céréale, si l'objectif c'est de récolter en grain, est-ce qu'il y a des pratiques particulières à mettre en œuvre, ou justement, est-ce qu'il y a un itinéraire particulier sur la céréale? Enfin, à ma connaissance, l'azote peut être un facteur certes favorisant, amenant le potentiel de production sur la céréale, mais il peut être aussi un facteur qui va contribuer au développement de la prairie. Donc il y a un équilibre certainement à trouver dans la conduite. On n'a pas fait d'essai comparant différentes stratégies de fertilisation, mais ça, on peut l'imaginer que d'un point de vue concurrence, faut veiller à ce que la jeune prairie, et c'est aussi pour ça que dans les essais qui ont été faits dans la deuxième série, on a plutôt orienté cette technique-là vers des espèces qui sont lentes d'installation. Si tu mets ça en face d'une courte durée, avec une céréale qu'on va fertiliser, là c'est clair que tu vas donner de la place à la fourragère, tu vas la faire se développer, et elle risque d'être vraiment concurrente pour la céréale, quoi.
Mais on n'a pas mis en comparaison ces itinéraires-là d'un point de vue récolte de la céréale avec des stratégies de fertilisation différenciées. Ça n'a pas été fait, à ma connaissance. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions pour l'instant. Alors, en attendant peut-être que quelques autres arrivent, j'en profite pour remercier les partenaires qui permettent la tenue de ce salon de l'herbe à distance. Donc, à la fois nos partenaires techniques, donc l'ensemble des chambres d'agriculture du Grand Est, l'Institut de l'élevage, Arvalis, Optival pour les interventions. Et aussi, bien sûr, le Salon de l'Herbe et Profil d'Evans pour la communication et la tenue de cet événement. Et enfin, bien sûr, nos partenaires financiers qui nous permettent de vous proposer des actions sur l'herbe, donc l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le département des Vosges. Et j'ai une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a des problèmes de désherbage en fait quand on fait des semis sous couvert? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les adventices de la céréale prennent le dessus sur la temporaire? Le désherbage dans les essais qu'on a fait, notamment sur la valorisation fourragère, c'est le c'est la récolte qui le, enfin, c'est la récolte précoce qui nous permet de contrôler l'agressivité de ces adventices, c'est-à-dire que ça se retrouve. On est en face d'un triticale pois ou d'un triticale avoine pois, prenons l'exemple d'un mélange céréalier qui est quand même relativement concurrent. À un moment donné, il y a un accès à la lumière qui se trouve perturbé, les adventices font aussi le frais de ça. Et la gestion, en fait, si je prends l'itinéraire qui a été mis en place en bio, on n'a forcément pas de contrôle d'un point de vue chimique. C'est le passage par l'ensilage qui permet de gérer les adventices à un moment donné. Et donc, on n'a pas vu, nous, d'impact sur... autour de ces adventices sur l'installation de la prairie en tant que telle. Le semi-décalé a certes mis un peu en évidence un taux de légumineuse qui était un petit peu plus faible, on va dire, dans la phase de la première année d'installation pour se rééquilibrer ensuite. Ce qu'on a surtout vu d'un point de vue, et ça c'est les éleveurs qui le rapportent, c'est qu'en face de ces prairies implantées de manière simultanée, on a des valorisations précoces qui sont possibles par l'animal, quoi. Et donc l'importance est là, quoi. Moi on n'a pas pu mettre en évidence d'effet excès de salissement sur la qualité de l'installation au regard de cette pratique-là. D'accord. Et une question sur le sursemis de manière plus globale. Quelles espèces fourragères sont conseillées pour un sursemis dans la configuration d'une prairie, alors le sursemis, pour résumer un peu, c'est une technique aléatoire dans sa réussite et exigeante dans sa mise en œuvre. Aléatoire. On sait aujourd'hui identifier un petit peu la checklist de toutes les étapes qu'il faut respecter. Et parmi ces étapes, il y a le choix d'espèces agressives. C'est-à-dire que si on veut se mettre dans la configuration de réinstaller des graminées ou des légumineuses fourragères dans un couvert en place, on ne peut pas le faire avec toutes les espèces. Un sursemis de fléoles, un sursemis de fétuques élevées, de fétuques des prés, de dactyles, ça me semble un peu difficile à mettre en place. Parce qu'on est en face d'espèces qui sont trop lentes à s'installer. En revanche, sursemer avec du régrand anglais, du trèfle blanc, du trèfle violet, même des courtes durées, là, ce sera beaucoup plus facile. Alors, après, au-delà du choix, là, de l'espèce en tant que telle, il y a aussi les conditions de la mise en œuvre du sursemis. Il nous faut un couvert ras. Ça veut dire, à la limite, surpâturer avant cette prise de décision de réintroduire de nouvelles fourragères. Il faut épuiser la végétation en place, parce que le sursemis, c'est une espèce de course de vitesse entre des plantes qui sont déjà là, enracinées, qui ont donc un temps d'avance sur des espèces qu'on souhaite réintroduire. Il nous faut un milieu ouvert. Donc souvent, on prend la taille d'une petite assiette à dessert, là, comme point de repère de ces vides. Ces vides, on va les agrandir. Donc ça suppose souvent le passage d'un outil préalablement au sursemis. Alors on peut le faire avec le matériel de l'exploitation, une versade en droite par exemple, ça permet d'éclater un peu le sol, de créer un peu un lit de semences en quelque sorte pour les fourragères. Ensuite, on va aller chercher des espèces rapides d'installation,
ça c'est sûr. On va aller semer dense. Et là, on n'est pas loin quand même de la dose d'implantation. Donc, il faut quand même réfléchir le positionnement du sursemis en termes d'amélioration. Une fois ça fait, toute la réussite du sursemis, elle va être liée. Alors, la graine étant amenée à la voler au sol, on peut la rappuyer par le piétinement des animaux ou passer un outil de tassement. Mais une fois cet itinéraire mis en place, la réussite du sursemis, elle va être liée à notre capacité ou pas à maintenir un couvert ras et à maintenir l'accès à la lumière aux jeunes plantules. Si on est en face d'une... Et en général, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit des trucs qui lèvent, on a des levées on repère dans le couvert. Mais après, la concurrence de la végétation en place est telle que ça se referme sur le jeune semis, là, et les plantules, elles disparaissent. Donc toute la difficulté, c'est arriver à maintenir finalement l'accès à la lumière. Et c'est ça le caractère aléatoire qui va amener l'échec ou la réussite de cet itinéraire-là, en faisant le choix d'espèces agressives, qui lèvent vite et qui sont potentiellement agressives sur le couvert en place, quoi. Plutôt des plantes à port dressé aussi d'ailleurs, hein, qui ont cette capacité enfin, plantes à port dressé, c'est-à-dire capacité à prendre la lumière et aller la chercher, quoi. Un trèfle violet, c'est une plante qui peut accepter assez facilement le sursemis, quoi. Alors voilà, bah on a fait le tour, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, pour ta participation et merci Merci. à vous tous. Alors, les replays, donc la présentation et l'intervention sera disponible, sur la chaîne YouTube du Salon de l'Herbe dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas si vous voulez les réutiliser pour diffuser autour de vous. Voilà. Donc en attendant, merci beaucoup et je vous dis à Merci. demain. Demain, c'est Didier Delot, ingénieur fourrage d'Arvalis, qui nous présentera l'intérêt des prairies temporaires dans des rotations plus céréalières. Donc à demain, à la même heure, 13h-14h. Bonne journée à vous, à bientôt. Au revoir.